Au curling, il y a deux phases. Il y a le lancer et le balayage. Le lancer, on lance la pierre. Si elle est trop courte, les balayeurs vont la balayer pour la faire gagner jusqu'à 2 mètres de longueur. Et si elle est à bonne vitesse, bah les balayeurs ne touchent pas. La pierre ne la porte pas, elle glisse sur la glace. Pour gagner un point, il faut être le plus près du centre de la maison. Le centre de la maison, pour nous, c'est une cible qui est dessinée par des cercles. La zone bleue, c'est la zone la plus loin. Après, il y a une zone blanche, une zone rouge et une zone blanche. Ces couleurs nous permettent de voir où sont les pierres par rapport au centre. Tout ce qui touche le cercle peut marquer un point. Quand tout le monde a lancé ses pierres, on compte les points qui sont le plus près du centre de la maison. C'est aussi simple que ça. Le geste parfait, c'est d'abord le lanceur qui le fait. Les balayeurs font juste la vitesse. Avant de lancer, on nettoie la pierre pour enlever toutes les impuretés. Après, on se met accroupi dans le start. On s'aligne bien par rapport au balai. On pousse sur notre jambe et on glisse. Et après, au bout d'un moment, quand on a assez de, qu'on trouve qu'on a la bonne vitesse, on lâche la pierre. La pierre, c'est une pierre qui est dans un granit et chaque pierre pèse 20 kg. On apprend à faire un bon lancer en curling, je pense qu'en 3-4 séances d'une heure et demie, on est bon. Ce qui est compliqué pour faire un bon lancer, il faut être stable, il faut être au balai quand on lâche la pierre et avoir la bonne vitesse. C'est trois choses réunies pour faire un bon lancer. On a deux. Le curling, c'est un sport que j'aime. J'ai connu ça aux Jeux d'Albertville. Je voulais découvrir un autre sport et ce sport, dès que j'ai essayé, ça m'a plu. C'est un sport convivial. On joue avec des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. Il n'y a pas de souci. Il y a un esprit curling. En France, on est à peu près 300 licenciés. C'est pas beaucoup par rapport à d'autres sports. Ça joue beaucoup en Suisse, en Écosse, en Angleterre, en Belgique, voilà, en Italie aussi, ça se joue en Europe. C'est un sport où on peut avoir des hauts et des bas suivant les week-ends. Un jour on peut être bon et un jour on peut être moins bon. Pourquoi un match on va être bon, un match on va être mauvais, ça personne ne le sait. Si on avait la réponse, on serait bon tout le temps, je pense. En tournoi, nous, on n'a pas d'arbitre. Donc on fait un tournoi, on n'a pas d'arbitre sur la glace. On s'arbitre nous-mêmes. C'est un sport très fair-play. La pratique s'adresse à tout le monde. On peut commencer à 6-7 ans jusqu'à 80 ans. On est vite intégré avec les gens qui jouent depuis des années. On va dire qu'on va commencer une heure après, on peut jouer avec des gens qui jouent depuis 20 ans. C'est pas compliqué le curling.